lakayo ak yon vi ki plen lab yo. Amis internautes, bien-aimés dans le Seigneur, nous sentons-nous contents pour nous capables encore avec vous matin, hein, pour nous venir présenter un bon petit place à nous connaître, cap satisfaire au nom de Jésus. Pas avancer le son. Suivez-le avec un pile attention parce que vigile matinale là, un bon petit leçon morale la donne. Et pas oublier le son en tout. Donc, c'est pour ça que nous venons pour nous capables d'étudier ensemble. Nous félicitons tous les amis qui ont à peine abonné. Et nous disons pas bouquer, partager les vidéos avec l'autre ami. Et comme ça, nous sommes capables de développer la chaîne. Et nous disons en passant, ou même qui souhaitait bah, nous une aide quelconque pour avancement travail ça, eh bien, vous avez besoin d'une description dans la vidéo ça, qui permet tout capable. Rentrer en contact ensemble avec nous et vous êtes capable d'aider nous sans aucun problème. Et nous souhaitons que vous êtes capable de comprendre parce que nous avons besoin d'avancer, nous avons besoin d'aide. Et donc, s'il vous plaît, vous êtes capable de comprendre ça. Donc, on met ensemble pour que nous capables de faire travail. Bon Dieu. Matin, nous parlons ensemble. Dieu est notre champion. Ça, c'est vigile matinale là. Et le son a bien pour titre enseigne-nous à bien compter nos jours. N'a pas invité aux amis à faire mes yeux pour nous capables de prier ensemble. Bon papa, non, merci. Parce que chaque jour, ou ben nous avons une leçon morale différente qui permet de nous croître dans la vie spirituelle, qui permet de nous comprendre raison d'être, nous, qui permet de nous comprendre l'objectif que nous avons dans la vie non, pour nous. Bénis-nous, Père, fais-nous comprendre et appliquer. Nous prions concernant le nom de Jésus. Amen. Vigile là, c'est bien. Dieu est notre champion. Texte de base là, trouvé dans Luc 11, le verset 22, qui dit « Mais si un plus fort que lui survient et le bat, il lui enlève toutes les armes auxquelles il se fiait et il peut distribuer le butin qu'il a pris. » C'est une très belle histoire que vous pouvez raconter, nous. Ça a toujours arrivé dans l'école toujours gon nèg qui comprend pi gon nèg. Et bien pendant des années, te gon nèg qui était pi gon nèg dans l'école selon auteur. Et puis jusqu'à ce que pral gen l'autre qui vini et puis il pral touke konn ensemble avec lui. L'autre là dit m'pa ta mon fait ça nan mitan moun an nou fait la deux. Vraiment vrai à l'autre côté, isolé au fait ça. Et ça qui fait gen dans l'école là rencontrer avec ça qui habitué propose te gon nèg hier. Il mettait monsieur à terre onflé bien onflé et monsieur Kounia qui était plus gros nèg qui qu'on a ouvert col là vient demander ça fait qu'entrer dans l'école là pardon et il dit s'il vous plaît puis gali dit reste l'école là ça par rapport avec ça qui passé là parce qu'il demandait le pitié pour pas trop agressif envers lui-même. Donc histoire ça rapporte nous même activité bon Dieu contre l'ennemi même activité là. Combat a fini fait dans le ciel, il arrive sur la terre, il dit il prend la terre, il dit la terre c'est pour lui. Maintenant Jésus vient sur la terre, il fait monsieur honte qu'à tel point, il rencontré avec mauvais esprit, il dit comme ça, même là où vini pour venir continuer bah nos problèmes. Donc c'est juste pour me dire aux amis, quel que soit ça qui a passé dans la vie, bon Dieu, gain pour régulariser toutes choses, continuer prier bon Dieu. C'est ça que fait n'a félicité tout le monde qui était là dans la prière midi, qui a fait un effort pour être là, nous féliciter. Et nous avons au même rendez-vous pour là ensemble avec nous dans la prière midi. Pas oublier de visiter nous et pas oublier tout prière minuit. Viens nous prier, Papa, bon Dieu, ensemble pour nous capables de bénir et pour nous capables de bénir Chanel. Donc nous sommes contents de présenter une méditation pour nous dire que bon Dieu, c'est le premier guerrier qui est dans la vie, qui n'a pas perdu le combat. Yo. Nous allons rentrer dans la leçon 1, c'est leçon 8. La sagesse pour vivre dans l'intégrité. Verset à mémoriser. Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Psaume 90, le verset 12. C'est en dans psaume ça, nous pourrons continuer. N'abdi ou bien, leçon jodia, c'est enseigne-nous à compter nos jours. Leçon jodia, il gagne deux grandes portées philosophiques. Que lui expliquer, lui parler du temps, temps
temporel et temps éternel. Donc ça nous capable remarquer tout le monde connaît que temps éternel là moi-même avec vous nous pas capable de compter. Mais Dieu dit nous devant temps éternel là, temps temporel là pas en rien, c'est ça la Bible dit, 1000 ans c'est tant qu'on une heure de temps lié pour bon Dieu, li pas un paquet d'années vrai gens nous-même n'a vivre li. Mais yon bagay que nous remarquer qui rive dans petit cal temps que nous-même nous dit nous rien et la Bible dit li petit vrai devant 1000 ans. Alors yon bagay qui vraiment attire attention nous pendant que n'a vive temps ça, c'est que nous c'est dans temps ça bon Dieu a résoudre problème péché. Pas oublier péché prend naissance dans le ciel. Et arrivé sur la terre, l'ennemi continue dans même astuce li, li mettait l'homme dans situation difficile ça nous je dis là. Et ben c'est dans même situation difficile ça bon Dieu résolu pour lui capable finir avec péché. Donc notre temps li accompagner yon temps de grâce et yon temps de condamnation. Donc tout moun kap mouri, yo mouri dans deux phases. C'est soit ou mouri pour sauver, ou soit ou mouri pour perdu. Donc temps nou an c'est ça lié en réalité. Temps nou an c'est seul ça discuter, c'est seul ça qui discuter en dans temps nou an. Qui position ou prend? Est-ce que ou prend position pour aller dans le néant pour pas jamais exister encore? Ou est-ce qu'on prend position pour monter pour gagner la vie éternelle? Par contre, si nous remarquons finesse, sagesse et grandeur, mon Dieu, il n'y a pas discuté péché dans l'éternité, non? Il a discuté péché dans un temps qui est très court. Et là, nous pourrons faire une comparaison de temps. N'a pas un monde être suprême qui vient sauver l'homme, non? Il n'y a pas un paquet de temps sur la terre. 33 ans et demi, il pas prend pas que temps sur la terre pour lui capable une fois résoudre problème péché. Donc nous ouais, nous même jodi a nous lui apprendre compter jour nous yo. N'a dit ou bien mesure de base jour là c'est exactement une seconde. Donc pour capable compter jour, c'est pas une plume pour prendre pour aller chita en côté pour écrit jodi a 1 2 3 non, c'est pas ça pour le faire. Pour apprendre compter jour dans logique temps ça qui c'est après la mort c'est soit néant ou la vie éternelle, c'est pas jour à vous pour le compter, mon pour le contrôler action dans jour ou pour le contrôler action dans jour, c'est-à-dire est-ce que action que me poser là sont actions que bon Dieu apprécier, féliciter et béni. Mais comment on pral compter jour? On pral apprendre contrôler action, on pral apprendre surveiller action, on pral apprendre garder qui action doit poser chaque jour pendant existence. C'est-à-dire jour yo pas sans valeur. Heure de temps yo pas sans valeur. Parce que chaque heure de temps qui passe li qualifier et disqualifier yon homme. Chaque heure de temps qui passe, li disqualifier et li qualifier yon homme. C'est soit le qualifier pour la vie éternelle et li disqualifier pour la vie éternelle pour aller dans le néant. En sorte que, depuis ou te gen tan raisonner ou comprendre ça qui gen rapport avec péché, ou kon ki pense qui capable faire péché. Ou kon ki parole qui capable faire péché, ou kon ki action qui capable faire péché, jour qui passe dans la vie ou yo heure de temps yo grand pile valeur pour. C'est-à-dire ou pas pral compter jour, mon pral compter action. Et chaque action a déterminé qui est qui influence ou, Dieu ou ennemi. Maintenant chaque action a déterminé à qui est cœur attribué et qui est-ce qui trône dans le cœur, Dieu ou Satan. Chaque seconde détermine niveau foi ou niveau confiance ou niveau croyance ou. Donc le temps en même temps c'est une unité de mesure qui est capable de faire gérer action, mais en même temps c'est votre juge. Parce que là yo compilé ensemble d'actions que vous posez, il y a pour
dans le ciel, dans le livre des souvenirs, y a pour est-ce que vous posez des actions qui justes et est-ce que bon Dieu a d'accord lui-même pour le faire grâce par rapport avec est-ce que vous avez agi par exprès ou par faiblesse. Vous pourrez comprendre que me dit le salut lié par les œuvres, m'a dit non, m'a pas dit le salut par les œuvres, mais m'a dit bon Dieu dit fais tout ça qui bien, fais ce qui est droit, ce qui est juste, parce que lui-même, lui parfait, et il dit votre Père céleste est parfait, et nous ouais, il dit bien, il ba nous 10 commandements qui saint, et il nous saint, c'est ici la persévérance des saints. Est-ce qu'on saint qu'on a volé? Non. Est-ce qu'on saint qu'on a tué moun? Non. Est-ce qu'on saint qu'on a parlé moun mal? Non. Est-ce qu'on saint capable hypocrite, traite, mal parlant, calomniateur, capable d'adorer faux Dieu? Non. Ça aussi ses œuvres que yoyé. Mais depuis qu'on obéit ensemble avec lui, par rapport à grâce que le fait, Saint-Esprit appelle, Saint-Esprit permet qu'on soit capable de faire bonne action, ça yo, maintenant on est capable de jouer la vie éternelle. Pas oublier, c'est pas moi-même ensemble avec vous qui gagne courage pour nous faire une bonne action. Mais c'est par la présence du Saint-Esprit. C'est parce que nous sauver qui fait nous capable de poser une bonne action. Donc, le moins dit, nous prenons contrôler l'action, nous yo. C'est-à-dire, selon le son hier là, eh bien, puisque bon Dieu écrit commandement dans le cœur nous, tant que David te dit, moi caché parole là dans le cœur moi, pour me capable poser bonne action. Et dans Ézéchiel, il dit ça très bien. Bon Dieu qui t'a écrit loi dans le cœur nous, il va nous Saint-Esprit pour que Saint-Esprit capable guider nous à travers lui-même, n'a pas capable de recevoir le sceau du Dieu vivant. Donc, chers frères et sœurs, le la Bible parlait de compter nos jours, lui parlait de yon précision que nous devons porter dans l'action nous yo, dans le comportement nous yo. Quel que soit où tu agis par faiblesse, où tu agis par exprès, par sensation, par colère, quel que soit dont tu réagis, lui écrit quelque part dans le livre des souvenirs dans le ciel. Et na pouet psaume 103 et psaume 102 et psaume 90 yo ramené nous à logique que bon Dieu pas garder colère li sous tout ça n'a fait qui pas bon yo, au contraire li besoin ramener nous pour nous capable sauver pour le temps et pour l'éternité, en sorte que li besoin retirer nous dans ça que nous y est là jodi à là. C'est ça fait bon Dieu pas garder colère li à toujours, et colère pas ou li pas utile ou rien si c'est pas contre le péché. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, amis internautes, nous avons le son aujourd'hui. Les dîmes pour me dire ou gagnons précaution pour prendre dans ça qui a rapport avec vie et existence. Ou gagnons responsabilité. Ou gagnons engagement envers Dieu. Malheur à l'homme qui prend à la légère un engagement sacré. Ou gagnons responsabilité envers engagement que vous prend avec Dieu. Ou te fin dit ou baptisé, ou te fin dit ou a fait volonté ou engagé ou. Maintenant, chaque seconde qui passe, li gen droit en tant que Dieu kap investigé pour vin garder pour voir est-ce que tu agis normal. Yon profil de ça qui arrivé sous Sodome avec Gomorrhe. Ça qui fait moi prendre image ça, c'est parce que là nous prend image Sodome avec Gomorrhe plus Noé, li bay tan noua. Côté moun a fait ça yo vle et puis immoralité a régné. Donc, chers frères et sœurs, il est important pour nous capables de gérer, qui ça me dit encore, tant nous, demandez bon Dieu sagesse, demandez bon Dieu intelligence, demandez bon Dieu compréhension, demandez bon Dieu et soumission, pour nous capables non seulement bien traiter tant nous, yo, et pour nous capables de jouer une bénédiction. Lorsqu'on traite tant, on joue trois éléments. Nous devons traiter tant nous, pour lui, au bénéfice de nos prochains. Qui est-ce qui est prochain nous? Même monde qui raille là. Nous devons traiter tant nous pour bon Dieu capable de bénir nous dans la relation spirituelle que nous gagnons ensemble avec lui. Et nous devons traiter tant nous pour nous capable de bailler distance avec le péché. Donc, il est important pour nous capable de compter nos jours puisque nous appelons pour nous faire que bon Dieu content, nous appelons pour nous faire prochain nous content et nous appelons pour nous détester péché. Chers frères et sœurs, en nous partager ensemble grâce à avec l'autre petit bon Dieu pour nous dire, pas de temps pour nous perdre. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Ou fin perdu un temps là, ou pas jamais jouer ni encore. Ou capable de réparer un temps perdu, mais ce n'est pas sorti perdu, ou pas chercher pour réparer.
Donc, à nous faire ça qui bien, à nous agir bien, à nous penser bien, à nous parler bien, que le Seigneur vous accorde ce privilège spécial. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous. Nous avons un bon rendez-vous dans la leçon mardi à pour titre « La mise à l'épreuve du Seigneur ». La mise à l'épreuve du Seigneur. Nous invitons aux amis à faire mes yeux pour la prière. Nous remercions Papa Béninois qui fait nous comprendre que tant nous avons pile importance pour nous, pour nous et pour vie spirituelle nous. Bah nous force avec courage pour nous capables pratiquer bien vie nous en d'entendre ça pour que nous capables sauver au nom de Jésus. Amen. Sorti 11h, rivé minuit avec ministère de délivrance vient passer un moment de prière. Un moment côté où on recharge batterie spirituelle et un moment tout côté où on paye bon Dieu sous sérieux et comme ça n'a toujours content dans le nom bon Dieu et puis délivrance par nous toutes yo assurer dans le nom Jésus.